Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'était la France des années 50, un des premiers gros feuilletons judiciaires capables d'enflammer la presse et l'opinion publique. Superbe fait divers, digne de la fiction. L'accusée a-t-elle quelque chose à ajouter pour sa défense ? Monsieur le Président, si je suis ici, c'est parce que je suis innocente. Autrement, le remords m'aurait tué. 1949, Loudun. Depuis 2 ans, la rumeur monte. Marie Bénard aurait assassiné son mari Léon, décédé d'une étrange crise de vomissement. En juillet, la justice inculpe Marie Bénard pour homicide volontaire. La rumeur enfle encore. En 20 ans, Marie Bénard a déjà perdu 12 de ses proches. Elle est donc coupable, forcément coupable. La justice fait déterrer les corps. Dans tous, on trouve de l'arsenic. La veuve Bénard est devenue l'empoisonneuse du siècle. Après 13 ans de lutte et de souffrance, Marie Bénard est allée ce matin avec un... Il y aura 3 procès, 12 années de procédure et une véritable bataille scientifique. La médecine légale en est à ses débuts. Chaque démonstration des toxicologues, pas toujours convaincante, est systématiquement torpillée par la défense. Au bénéfice du doute, Marie Bénard est acquittée en 1961. Elle retourne vivre à Loudun, où rien n'a changé. J'ai l'impression qu'elle doit être coupable. Oui, on a jugé simplement des experts, mais on ne sait pas si vraiment elle est coupable ou non. Je désire les ignorer, je ferai comme si je ne les connaissais pas. Et j'aspire de vivre en paix et de me faire oublier. Marie Bénard s'est éteinte doucement 20 ans plus tard. Par rancunière, elle a légué son corps à la science.